Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Gouvernement pays Canada a porté précision sur une liste 8 gauche à braque politique. Li décide prendre sanction contre yo peut-être li suspecte y a porté collé à gang examio dans pays d'Haïti. Syndicat la police nationale d'Haïti SPNH 17 mandé au commandement la police là retirer toute police nationale li té metté pour assurer sécurité gauche à braque politique sa yo. Gouvernement Canada décide prendre sanction contre yo dès que yo suspecte yo ta nan confio lo à gang examio. Dans le pays d'Haïti, entre le 17 novembre pour arriver dimanche 20 novembre 2022, il y a 11 personnes qui mourent parmi eux, 3 qui perdent la vie, dans la mer à 81 autres qui blessés dans l'accident de circulation sur le territoire national. D'après le service technique à coopération pour prévenir accident machine avec motocyclette dans le pays d'Haïti et stop accident. Une cérémonie officielle faite mardi 22 novembre 2022 pour installer juge Jean-Joseph Lebrun comme président de la Cour cassation après Premier ministre Ariel Henry Téphine nommé lundi 14 novembre 2022 pour remplacer juge René Sylvestre qui était mort depuis date 23 juin 2021. Jean-Joseph Lebrun, tout vini, président Conseil supérieur pouvoir la justice là, yo plus qu'on est sous nom CSPJ. Ministère éducation nationale dit la travaille sur un nouveau calendrier l'école pour année 2022-2023 qui va considérer problème qu'a brassé bil pays d'Haïti yo. Dans l'occasion 16 jours action contre violence sous femme actifi, association journaliste haïtien organise un atelier 2 jours pour journalistes pour encourager sensibilisation sous violence qu'a fait sous femme actifi dans pays d'Haïti. Dans chapitre politique, gouvernement pays Canada a porté précision sur une liste 8 gros chabrak politiques li décide prendre sanction contre eux pour être li suspect y a porté collé à gang examio dans pays d'Haïti. Dans l'ISA, nous joignons l'ancien président haïtien Joseph Michel Martelly 14 mai 2011 7 février 2016, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte 16 mai 2012 14 décembre 2014 ak Jean-Henri Seyan 17 septembre 2018 18 mars 2019 sénateur plateau central là Ronnie Célestin, ancien sénateur Sudland Hervé Foucan, ancien député Gary Baudot qui d'après gouvernement Canada livré au Nanzak qui menace la paix sécurité et stabilité dans pays dans dernière publication fait dans jour passé yo. Non ancien président tiré Sénat Joseph Lambert ak ancien sénateur Yuri La Tortue, gouvernement Canada dit yo sanctionné ak États-Unis non seulement parce qu'il a financé gang mais tout parce qu'il a participé dans trafic illégal drogue. C'est liste diverses personnalités sa yo gouvernement Canada ak États-Unis dit yo sanctionné. Toujours dans le chapitre politique, syndicat la police nationale d'Haïti à SPNH 17 mandé au commandement de la police la retirer toute policier nationale li té metté pour assurer sécurité gros chabrak politique sa yo. Gouvernement Canada décide prendre sanction contre yo dès que yo suspecte yo ta nan confio lo à gang examio dans le pays d'Haïti. Jean LDR lundi qui c'est à la tête SPNH 17 là mandé pour DCPJ avec la justice pays d'Haïti mener bon enquête et puis sanctionner moun sa yo. Toutefois yo ta découvrir accusation sa yo sévérité en côté à la tête SPNH 17 là Jean LDR lundi qui a porté plus de détails pour nous. Nous croyons que au commandement la police là et toute politique qui a appliqué li sorti dans CSPN là. C'est ça qui fait que nous étions que l'important pour ces gouvernements positionnels et laisse à la passer continue au bail pour lui-même pour être capable de prendre des décisions qui s'imposent. Mais quand même, l'État haïtien fait un peu de dépenses pour former des policiers et que qui journée aujourd'hui est capable de faire service et dans quoi payer insécurité, dans courir des bandits. Et pourtant, ils ont bloqué avec des dignitaires que des gouvernements étrangers ont sanctionnés pour être comme insécurité. Nous croyons que l'État haïtien et le gouvernement lui-même, faut qu'il prenne position de manière pour capable libérer les policiers, pour qu'il y ait la population en service, au lieu qu'il y ait avec des gens. Qui t'a d'une manière, t'a soi-disant un problème avec la justice.
et nous même dans SPNH 17 là par rapport avec vision ça que nous gagnons de situation ça et qui gagne dans pays là par rapport avec sanctions ça yo qui ça nous compte faire pour nous forcer autorité au dans commandement suivre l'INSA que nous même nous dicter. Bon, effectivement, nous premier étape là c'est alerter l'opinion publique là du fait que nous avons des policiers et cap bay des moun sécurité qui semblait et pas ta supposé à besoin de sécurité dans mes policiers nationaux là et il est même bruit que yo t'a voulu faire sentir que gouvernement américain t'a mandé pour ta mettre moun ta aux arrêts et nous croyons que c'est un scandale lié c'est un bagage qui vraiment mettait pays à un très mauvais niveau et nous même en tant que syndicat en dans la police là nous pensons que c'est important pour nous alerter l'opinion publique là et pour nous demander au gouvernement pour prendre des dispositions pour DCPJ prendre des dispositions partout pour qu'on ait est-ce que moun sa yo sont des moun qui t'a supposé en bacode ou bien est-ce que c'est moun pour la police t'a supposé à continuer ma sécurité. C'était à la tête SPNH 17 là Jean-Elder lundi. Gouvernement pays Canada pas décidé de déployer aucune force militaire dans pays d'Haïti si pas gain yon entente pour ça. En toute force politique, organisation sociale et d'atrier sous territoire haïtien, c'est disons Premier ministre Canada Justin Trudeau dimanche 20 novembre 2022. Premier ministre Canada Justin Trudeau fait déclaration ça pendant l'étape participé dans une réunion sous Haïti qui était faite dans l'occasion dernier journée dans une rumble francophonie dans le pays Tunisie. Premier ministre canadien annonce tout divers investissements cap totalisé 16.5 millions de dollars américains pour aider Haïti stabiliser. L'agence a préparé comme ça 8 millions pour répondre à besoin population qui touchée en bas crise là, 5 millions pour aider autorité haïtien yo mener enquête et puis la poursuivre et puis juger cas corruption yo à criminalité économique yo blanchir l'argent ak divers infractions. Qu'il y ait 3.5 millions pour renforcer et améliorer l'accès à l'aide juridique pour victimes de violences qui fait sous sexio. Même genre pour appuyer, renforcer l'accès à la justice, bataille contre impunité et puis bataille contre corruption. Collectif 4 décembre 2013 bat bravo pour sanction gouvernement Canada dit li prend contre 8 gros chabrak politique haïtien li suspect qui nan confie l'eau à gang exam yo nan pays d'Haïti. Coordonnateur collectif 4 décembre 2013 lan Jean-Robert Gang dit li considérer sanction sa yo tant kou yon pa nan bon direction li mande la justice pays d'Haïti pour li saisi tout dossier sa yo nan l'idée pour capable faire lumière sou yo. An koute coordonnateur collectif 4 décembre 2013 Jean-Robert Gang pour plus de détails. De toute façon, nous sommes capables d'apprécier le fait que il y a d'autres pays, notamment le Canada, qui prend certaines mesures contre des citoyens haïtiens, qui en principe citoyens haïtiens, et qui prennent des sanctions pour eux parce qu'ils ont gagné contre eux des preuves ou des indices qui permettent de croire que eux-mêmes ils étaient là sous les gangs, ils étaient là. Et malversation, etc. Maintenant, donc, nous pensons que c'est une bonne chose que le Canada ait déjà lancé sa mise en garde et a pris des sanctions. Et nous pensons que l'autre pays a fait autant de sanctions. Maintenant, prendre des sanctions contre des individus et sans que pas gagner un jugement fait sur l'autre situation. Et c'est là que nous posons la question. Maintenant que les sanctions prend contre Mounsayo, nous-mêmes n'attendons à ce que l'État haïtien lui-même prenne mesure pour le prendre au niveau de la justice. Parce que pour deux choses, pour confirmer que Mounsayo est vraiment coupable et appliquer mesure pour appliquer, ou pour dire qu'il n'est pas coupable, ça sera l'autre de manche. Maintenant, le silence de dirigeants New York, plus porter population à quoi à ou complicité pratiquement de dirigeants yo envers moun qui pratiquement ciblé yo. Donc nous pensons que il faut que gon yo des dispositions qui prend au niveau du pays d'Haïti que responsable prend mesure yo gain pour prendre yo, OK, pour que ceci arrive au stade de la justice que verdict soit porté contre chaque qui inculpé là pratiquement. C'était coordonnateur collectif 4 décembre 2013 là, Jean-Robert Argan.
La police nationale d'Haïti fait qu'on est arrêté vendredi 18 novembre 2022 à Nami Balais, département plateau central, trois moun li suspect qui t'a bandi, qui t'a habitué déchapiller moun ak magasin ak volo camion marchandise sou route yo. Trois moun sa yo c'est Jean-Bernard Lonicia, qui gen ti nom Tibena, Wenson Derisme ak Shinton Desena qui gen ti nom Tison. La police dit li arrêté yo nan date vendredi 18 novembre 2022 à Nami Balais. Le chapitre insécurité sur route entre le 17 novembre pour arriver dimanche 20 novembre 2022, il y a 11 personnes qui mourent parmi eux, 3 qui perdent la vie, dans le même à 81 autres blessés dans un accident de circulation sur le territoire national, là, d'après le service technique et coopération pour prévenir accident machine et motocyclette pays d'Haïti et stop accident. D'après et stop accident, qui continuellement des chauffeurs et autorités prend disposition pour éviter gagner plus d'accidents sur route, il fait qu'on est pendant 2 semaines qui sont passées. Yo genyen yon quantité 25 accidents, yo compté qui fait 92 victimes. Nan chapitre migration pour yon nan première fois par l'intermédiaire ministère affaires étrangères, gouvernement de facto a sorti nan silence li, l'a levé la voix contre abus ak l'autre qualité mauvais traitement autorité république dominicaine yo a fait depuis quelques jours sous migrants haïtiens yo. Ministère affaires étrangères pays d'Haïtien dit li passé diverses instructions bay chargé d'affaires haïtien en république dominicaine yon façon pour lui exprimer par chancellerie dominicain qu'est sauté gouvernement de facto a gagné concernant divers faits sa yo ressortissant haïtien yo a subi en république dominicaine. Pendant le déclaré, il reconnaît droit souverain république dominicain gagné pour lui régler quantité migrants cap entrer sur territoire là en fonction législation à convention internationale littératifié yo. Ministère affaires étrangères dit li mande autorité dominicaine yo pour yo bailler ressortissant haïtien yo yon traitement qui respecte dignité moun. Gouvernement de facto pays d'Haïtien dit li renouveler attachement li ak respect protocole yo te signé nan mois décembre 1999 sous procédé rapatriement yo. Lundi 21 novembre 2022 à marché binational sous frontière Wanamet Dabon nan pat fête pour protester contre abus sous migrants haïtiens yo dans République Dominicaine sous l'obédience à plusieurs organisations à commerce haïtien en pile monde manifesté 21 novembre 2022 dans Wanamet contre comportement autorité dominicain yo sous migrants haïtiens yo. Dans diverses images qui t'a circulé sur réseaux sociaux yo nous t'ai constaté marché a qui était blanche te gen barricade et puis route qui te permet ou traverser en République Dominicaine nan te gen yon gros barricade la dan. Pays États-Unis dénoncé mauvais traitement autorité République Dominicaine yo a fait sous migrants haïtiens sans papier yo fermé nan mauvais conditions après yo finalité yo en gros point sous territoire voisin Haïti yo. Nan yon déclaration li publié ambassade pays États-Unis en République Dominicaine fait connait pendant dernier mois sa yo citoyens américains qui voyager nan pays a signaler yo fait yo prend en pile retard poser yo en pile question et même fermer yo nan prison les yo rencontré ak agent immigration dominicain yo en fonction de couleur pou yo. Nan publication ça ambassade américaine nan pays d'Haïti voisin fait konnen rapport qui vin joine ni sous traitement illégal citoyen américain yo sibi en bas mais autorité dominicain yo c'est un sujet qui ba yo gros kè sauté. Ministère affaires étrangères République Dominicaine déclaré li voye jeter dénonciation ambassade pays États-Unis sous abus ak l'autre mauvais traitement sous migrants haïtiens yo dans territoire voisin haïtien. Depuis plusieurs semaines, gouvernement dominicain a multiplié plusieurs opérations pour pimper dans objectif pour limiter immigration illégale en République Dominicaine. Jean président Luis Abinader Corona ordonné li dans un décret li prend vendredi 11 novembre 2021. Réponse à Abinader l'envini après haut commissaire organisation Nations Unies pour droits moun autrichien Volker Turk te mandé autorité yo dans plusieurs pays pour suspendre pimpé haïtien vini dans pays yo k'ap fè face à une grave crise sécurité et puis humanitaire. Centrale nationale ouvriers ak ouvriers haïtien yo encourager population continuer kembe flambeau mobilisation pour dénoncer climat latéral zak kidnapping yo la vie chère ak toute forme l'occupation déguisée qui ta sale indépendance pays d'Haïti a. 4 di li mandé premier ministre Ariel Henry au lieu de continuer à profiter de l'argent contribuable pour business personnel, bien au contraire, pour quitter place avec une équipe capable pour orienter l'État dans créer conditions sécuritaires et sociales qui sont indispensables pour réouvrir les 4. Dit le mandé Premier ministre Ariel Henry, au lieu pour continuer à dilapider l'argent l'État, il préféra pour quitter une équipe qui est capable d'attribuer une subvention 50 000 goudes
qui équivalent à $375 américains par chaque ouvrier ouvrière dans secteur 3 ans qui saute passer plus passer 3 mois sans yo pas cal travail. 4 délimandé autorité dans l'état yo qui va remplacer prochaine équipe Ariel Henry pour yo subventionner papa et maman dans classe qui pi ba yo pour yo capable joindre kichoy pour yo prendre soin petit yo dans occasion fête fin l'année. C'était une note pour la presse Centrale Autonome Travail Haïtien 4. Une solution parti haïtien tête calé à PHTK ko groupe là dans crise malouk k'ap brasser bil pays d'Haïti a, pas une solution haïtien, c'est position plus passé 40 natifs natal haïtien k'ap fait maîtrise dans diverses branches université l'autre bord de l'eau qui dit yo pote solidarité yo ak makone ak revendication peuple haïtien en faveur en transition grand monde coupé fâché dans pays d'Haïti. Si internet ça dit yo rete solidaire et puis yo makone ak revendication peuple haïtien qui a mandé une transition grand monde coupé fâché, yo dit yo condamné toute l'idée pour renforcer dépendance pays a ak yon force militaire multinationale encore et puis dans dimension crise la rive la yo encourager tout acteur politique ak société civile nan pays a pour yo mete yo à la route pour yo joindre yon tête ensemble kap chita sous base principe ak éthique kap permettre yo mete institution yo sous deux pieds fonctionnels yo yon manière pour attaquer problème fondamental kap saccager pays a nan moment. Dans ce sens, yo di yo rete solidaire ak toute initiative haïtien qui rive pran un grand monde qui pas sorti nan aucun dicté ambassade et puis qui vise tabli yon transition coupé fâché qui pral créer condition pour tabli yon société côté haïtien ka vive nan la paix ak dignité. Yon cérémonie officielle faite mardi 22 novembre 2022 pour installer juge Jean-Joseph Lebrun comme président de la Cour cassation après premier ministre Ariel Henry te fin nommé li lundi 14 novembre 2022 pour remplacer juge René Sylvestre qui était mort depuis date 23 juin 2021. Jean-Joseph Lebrun, tout vini, président Conseil supérieur pouvoir la justice là, yo plus qu'on est sous nom CSPJ. Premier ministre Ariel Henry qui était participé dans cérémonie prestation serment maître Jean-Joseph Lebrun, nouveau président de la Cour cassation, fait qu'on est CSPJ doué accompli mission li gagné pour les garantir discipline jugeo et puis veiller pour jugeo répondre de zakyo de absensio ak manquement yo nan devoir yo. Pi loin li fait konnen fòk gen yon justice ki kapab changer image et puis ki kapab jouer véritable rôle li gen. An koute yon extrait nan déclaration premier ministre Ariel Henry. Je crois qu'avec un président de la Cour de cassation, le CSPJ redevenant opérationnel va travailler rapidement au fonctionnement régulier des tribunaux pour non seulement s'attaquer à la douloureuse situation de la détention préventive prolongée, mais encore faciliter par ses propositions le fonctionnement de la Cour de cassation. Mesdames et messieurs, vous me permettrez d'insister et de rappeler que chacun a ses devoirs et ses obligations envers la République. Les magistrats, dans cette période difficile que connaît le pays, doivent assumer les leurs en faisant preuve d'empathie et d'humanité pour rendre la justice et contribuer à la sécurité des citoyens. À cette occasion, je profite pour interpeller les juges en général et les membres du CSPJ en particulier à donner la main dans la lutte contre l'insécurité et la détention préventive prolongée qui constitue une violation grave des droits des citoyens. Soyez déterminés, mobilisés, courageux. Faites preuve d'éthique dans cette noble fonction et de responsabilité pour redonner espoir aux justiciables, au rétablissement et au maintien de l'état de droit ainsi que l'autorité de l'État et constituer le maillon fort au relèvement du pays et du développement durable. C'était une excellente déclaration Premier ministre Ariel Henry. Dans le chapitre l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale dit qu'il travaille sur nouveau calendrier l'école pour l'année 2022-2023 qui va considérer le problème qu'a brassé le pays d'Haïti. D'après un communiqué, le ministère de l'Éducation nationale a publié, il dit qu'il prend en compte le problème que pays a fait face pendant dernier jour. Ministère a dit l'invité tout acteur continuer mobiliser et puis agir pour respecter droit
l'école Timounio, quel que soit circonstance là. Ministère a fait qu'on est tout, il y a quelques zones dans le département ni plein, il y a quelques écoles qui te reprennent activité yo suite à mouvement la trouble et sociopolitique yo qui te paralysé rentrer l'école là. Dans l'occasion 16 jours action contre violence sous femme actifi, association journaliste haïtien organisé un atelier 2 jours pour journalistes pour encourager sensibilisation sous violence qu'a fait sous femme actifi dans pays d'Haïti. Dans le contexte de violence généralisée, l'association journaliste haïtienne dit que vous devez prendre responsabilité sociale par rapport à la femme active qui a droit à la liberté qui est systématiquement bafouée parce que les journalistes n'ont pas dénoncé assez la construction sociale. Sa yo. En écoute, vous êtes responsable AJH, Marie-Raphaël Pierre, qui a apporté plus de détails pour nous. En dépit des dispositions légales, tant au niveau national qu'international, constituant des outils pour lutter contre la violence basée sur le genre, ce phénomène continue d'être une pierre d'achoppement à l'intégration sociale, politique et économique de la femme. Dans ce contexte de violence généralisée, où les femmes et les filles sont sans conteste les cibles privilégiées des bandits armés qui les enlèvent, les tortures, les viols, les tuent, nous de la Corporation des journalistes devons assumer notre responsabilité sociale par rapport aux femmes et aux filles dont les droits et libertés sont systématiquement bafoués parce que nous ne dénonçons pas assez cette construction sociale dominés par des hommes qui rendent vulnérables les femmes et les filles. Le tentative journalistique informé sur les violences basées sur le genre que l'Association des journalistes haïtiens et ses partenaires ont l'honneur de vous présenter dans le cadre de cet atelier de deux jours arrive à point nommé. Ce document de 80 pages vous est présenté à un moment où les violences exercées sur les femmes et les filles sont très peu traitées ou très mal traitées dans les médias. L'AJH et ses partenaires espèrent que le guide pratique journalistique informé sur les violences basées sur le genre pourra aider à sensibiliser les journalistes sur la nécessité de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles le sujet d'actualité. C'était une responsable AJHO, Marie-Raphaël Pierre. Dans le chapitre migration, plusieurs associations en Martinique, avec le parti politique Groupe Révolution Socialiste, GRS, mandé gouvernement la France l'an campé sous toute opération pour ta pousser donatif natal haïtien qui sous territoire français à cause de problèmes de sécurité et problèmes humanitaires qui gagnent dans le pays d'Haïti. Toujours dans le chapitre migration, depuis l'année 2022 a commencé, l'autorité républicaine dominicaine a pimpé vini dans le pays d'Haïti pour pipiti 1800 timoun sans parents yo pat ensemble ak yo d'après Fondation Unie pour timoun yo plus connu sous nom UNICEF. D'après CNN, autorité dominicaine yo voye timoun sa yo tourner dans le pays d'Haïti sans pièce identité, donc li vin impossible pour certifier si yo se citoyen haïtien ou non. Pour 6 derniers jours qui sont passés, la Direction générale migration dans le pays républicain dominicain dit li pimpe vini dans le pays d'Haïti 6492 migrants sans papier. Puis fort là-dedans, c'est un migrant natif natal haïtien d'après Direction générale migration dominicain qui pas précisé combien migrant natif natal haïtien sans papier li ta poussé d'eau. D'après journal dominicain Diario Libre qui cite DGM, opération pour arrêter migrants sayo et puis mener dans diverses villes et provinces dans le pays, tant que dans Santo Domingo, Santiago, La Vega, Jabayoka, Dabon, Elias Pina, Barahona, Azua, Pedernales, pour ne citer ça seulement. Ivan Lorenzo, qui est sénateur dominicain, province Elias Pina, considéré tant que chantage, grand examen, mouvement, protestation, plusieurs organisations à commerçants haïtiens tamés depuis lundi 21 novembre 2022 contre abus à clotte, qualité, mauvais traitement, autorité publique dominicaine a fait depuis plusieurs jours sous migrants natifs natal haïtiens. D'après l'article ça qui sorti dans le journal dominicain, il fait qu'on est frontière qui ferme la cause marché binational là pas capable de fonctionner comme ça doit, ça qui affecte les commerçants dominicains, yo s'est obligé de payer gros l'argent pour frontière capable de réouvrir porte li. Abus et mauvais traitement, autorité républicaine dominicaine a fait depuis plusieurs jours sous migrants natifs natal haïtiens
sous territoire dominicain, département ak sa kekri nan akor 1999 la, autorité Haïti ak République Dominicaine yo te siyen sous façon yo ta pimpe migrant haïtien yo. C'est dison parti politique mouvement pour transformer ak pou bay pays d'Haïti valè, yo plus konnen sou nan MTV Haïti. Yon groupe 127 employés Office National Vieillesse ONA nan Semak Balatibonite annonce yo pral pote plainte la justice kont direction l'ONA ki te décidé mete yo nan disponibilité après manifestant yo te boulé local l'ONA Semak la nan manifestation vendredi 16 ak samedi 17 septembre 2022. Actualité internationale lan ak collaboratrice nou Marie Farah Fortuné. Président sud-africain Cyril Ramaphosa arrivé lundi 21 novembre nan matin Royaume-Uni. Puis en visite d'État côté li sitôt pral rencontrer Charles III ak Premier ministre Rishi Sunak. C'est première visite d'État pour nouveau roi et premier tour Royaume-Uni organisé depuis juin 2019 la reine Elizabeth d'été accueilli président américain Donald Trump ak madame li Melania. Cyril Ramaphosa ak madame Tshepo Motsepe y a tenu pour un banquet d'État dans palais Buckingham la mardi, mais y a rencontré tout l'autre membre famille royale là parmi yo héritier trône nan prince William ak madame li Kate. Ancien président sud-africain Jacob Zuma qui officiellement fin pigé peine 15 mois prison pour jugement contre autorité la justice là doit retourner derrière barreaux libération conditionnelle année passée pour raison santé te contraire avec la loi d'après ça un coup d'appel fait connait le 21 novembre ancien chef l'état qui gagne 80 l'année te condamné mois juin 2021 à cause de te refuser témoigner devant une commission qui en charge enquêter sur corruption pendant présidence 2009-2018 incarcération mois après ça quitté la cause 350 moun mouri des mois après il était libéré à cause santé et puis il était placé sous contrôle judiciaire. L'autre information à peu près 150 000 timoun qui déplacé à cause conflit Mali pas gain certificat de naissance et risque que yo mettez au dehors et puis privé au droit yo gagner à cause de pas capable identifier yo. C'est ça conseil norvégien pour réfugiés NRC fait connait. Président sortant Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev remporté élection présidentielle en absence opposition côté le confirmé statut nouvel homme fort plus gros pays Asie centrale là après une année noire pour état ça qui riche à ressources naturelles d'après résultat préliminaire commission électorale là bail lundi 21 novembre Tokayev 69 l'année qui rivé sous pouvoir dans l'année 2019 fait 81,31% voix et puis participation c'est à 69,44%. Aucun dans 5 opposants n'a pas dépassé 3,42%. La sécurité iranienne a tué 72 personnes parmi les 56 dans la région de Kurdistan pendant la dernière semaine répression manifestation contre le régime. D'après ça, ONG Iran Human Rights a fait connaître mardi 22 novembre. Bilan en tout, c'est 416 personnes qui mourent depuis le commencement du mouvement contestation qui déclenché 16 septembre passé après l'an Mahsa Amini. Un kid iranienne 22 l'année, la police qu'il a pour faire respecter coutume été arrêté pour être violé code vestimentaire strict qui demandait pour femme yo porter voile en public parmi moyo gain 51 timoun 21 femmes d'après IHR qui trouvait l'Oslo. L'ONU dénoncé mardi 22 novembre dississement réponse iranienne nan na manifestation yo et puis mandé autorité ou pour imposer un moratoire bien vite sous peine de mort. Chef droit moun l'ONU Volker Turk a déclaré quantité té kalan moka pou augmenté yo nan manifestation en Iran parmi yo de timon weekend nan ak disisman réponse à force sécurité yo montré situation critique nan pays an d'après porte-parole Jérémy Lawrence nan yon point presse Genève. L'autre information désaccord sou Taiwan nan té nan centre rencontre ant secrétaire américain défense nan Lloyd Austin Austin ak homologue chinois Wei Feng mardi 22 novembre en Cambodge alors que deux parties a fait effort pour gérer tension yo rencontre là qui fait en hommage à une conférence ministre défense Siem Reap c'est premier entre Austin ak Wei Feng depuis juin avant visite président de la chambre représentant Nancy Pelosi Taiwan Zile Pekin a revendiqué qui te rend autorité chinoise yo fâché. Et puis télévision rete canal information genio plus privilégié loin devant médias qui en ligne ou bien compte influencé sur réseaux sociaux yo d'après un sondage Ipsos qui dévoilé mardi 22 novembre dans occasion festival média scène enquête là penché le sous rapport jeune qui gain 16 rive 30 l'année yo dans affaire information un thème qui était abordé pendant événement le Parisien les Échos à France Info organisé. Dans l'économie dans le pays Inde, Google condamné pour lui payer une amende plus passer 113 millions de dollars. En côté, Kervins Adam Paul qui a porté plus de détails pour nous. Autorité surveillance antitrust pays Inde condamné Google pour lui payer une amende 113 millions de dollars pour pratiquer paiement injuste
yon semaine après li te fin condamné pour li payer 162 millions pour abi position dominant. Ce système exploitation Android Google lan kap domine sou marché indien, côté celui qui utilisé sous environ 95% téléphone intelligent dans pays ça, d'après société étude Counterpoint. Développeurs indépendants yo kap fè logiciel yo distribué yo sous Android via Google Play, mais yo doit utiliser système paiement Google là pour toucher l'argent dans mes clients yo gagnen yo. Pratique ça aboutit à une série conditions injuste pour développer application indépendant sa yo, d'après sa commission concurrence Indlan CCI fait connaître dans communiqué li annoncé à Mandlan. Nan kilti atis Ameriken Will Smith nan tèt yon afiche film ki rele Emancipation, plizye mwa apre gro kalot li te bay Chris Rock lan, an koute Marie Farah Fortuné ka pote pliz detay pou nou. Akte Ameriken Will Smith ki konen yon peryode som apre li te fin jifle imoris Chris Rock nan seremoni Oscar 2021, se vedet yon lot film original Apple TV, Emancipation nan nouvo film kote Apple mette bande annonce lan an li mercredi. Will Smith 54 la ane, Joel Peter yon esclave ki separe ak famil ki combat esclavagis, yon alligator metou ki franchi an pile obstak pou reyni an lot fwa anko ak famil. Ma pretounen vin jen nou, se sa yo te kapab tande Peter pou met famil avan yo pran lan epi redu lan esclavaj. Film lan ki inspire a travers yon histoire ki vre, suiv diferent epreve Peter rencontre pou jen famil anko. Emancipation c'est premier film Will Smith depuis Jiflian dans 94e cérémonie Oscar yo côté il te gagné premier Oscar pour interprétation papa Sir William sur Serena Venice dans King Richard. Après Jiflian plusieurs médias t'ont annoncé film là t'es capable pas fait encore. Pour moi film là puis grand passé moment 400 ans esclavage ça puis grand passé un petit moment c'est ça Antoine Foucault a déclaré lui-même qui s'est réalisateur film là côté il t'a invité mon yo à regarder film là.